Donc, oui, tiens. Donc, nous devons faire un tour, faire un tour, faire un tour, faire un tour. Chiều tối tối nay ông nhâm ra xong cuộc họp với tika từ đồng bằng sapa nhà ông đã chia mấy bên tổ cả bằng hai nhà trợ hay có được xâm nào xong được bắc luôn hay xong mà chợ tha đòi về lìa đài cầm sapa nhà bàn thưa ní cứ rất sát sát được không cả loi top từ nâng สำนักสมรบกรมมิตรวิกาปีคดีอิงสรีหรือการส่งยาวเอกสารบรรทายมีในจำเนียนบนเปลือกในจำเนียนเราจะใครกำกรอยเปลือกมิตรวิกาปีคดีลึกแต่ไรก็ห่างปีปัญหานี่นุ๊กยังเปลือกเรียได้ประดาลอ้อยตรากัดบรรทอยดับพรำในตีดับไม่ตกเปลือกเรียสำหรับคลอยตอบในปีกรอยให้โดยขณีคือกรมมิตรวินอมกรมนางดาวมนักรมนี้คือประดาลใจมาเพย์ในตีดีตกดับในตีแต่ไม่คลอยตอบ Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en viens maintenant à un deuxième point. Qui est celui de l'importance de la déposition de l'expert Ben Kiernan. Monsieur Kiernan a été proposé par les coprocureurs sur leur liste de témoins, partie civile et expert, établie en vertu de la règle 80. C'est le document E9-4.2. Et nous avons indiqué les raisons précises de l'importance de sa déposition sur trois pages. Dans le document E9-13.1, sous la rubrique « Traitement de groupe spécifique » et il apparaît au numéro P250. Alors en bref, l'expert est une des sommités universitaires qui a le plus étudié et publié sur l'histoire du Cambodge, et en particulier sur la période du Cambodge démocratique. Et nous avons mentionné l'importance de ses écrits et surtout de trois de ses livres principaux. Nous avons aussi souligné le rôle important qu'il a joué dans la collecte de documents originaux, dont les comptes rendus de réunion du comité permanent ou encore les archives de Tramkak, par exemple. L'expert, dans le cadre du premier procès, est donc susceptible d'apporter un éclairage sur l'ensemble des paragraphes pertinents de l'ordonnance de clôture. Mais je voudrais faire un autre point. Cet expert a été identifié aussi comme un expert clé par deux des co-accusés, en plus des coprocureurs. La défense de Nunchia avait déjà considéré ce même expert comme faisant partie de ceux qui seraient indispensables pour le dossier de leur client. Et je vous renvoie au document E9-3-9, au paragraphe 7, qu'il faut lire avec son annexe E9-3-9.1. À la cote A23. La défense de Nunchia a en outre expressément indiqué à l'audience son intention de soumettre des documents à la Chambre par le biais de cet expert. Et là, vous trouverez cette intervention à la transcription en anglais du 16 janvier 2012 à la page 38, aux lignes 18 à 22. En français, le numéro d'IRN est 00770239 et en khmer 00768553. Et il y a aussi le document E131-1-12 au paragraphe 5. La défense de Kusampan a également identifié M. Kiernan
comme l'un des individus impliqués dans la réception des documents par DCCAM et a déclaré à l'audience qu'il est impératif de citer à comparaître les personnes ayant participé à l'obtention de ces documents et donc qu'ils viennent témoigner. C'est la transcription du 16 janvier 2012 à la page 121 en anglais, 123 en français et en khmer 00768614. Par conséquent, nous pensons pouvoir dire que ce n'est pas que les coprocureurs qui ont demandé à ce que cet expert soit entendu par la Chambre. Le point suivant concerne le fait que l'utilisation de la liaison vidéo permettra l'interrogatoire simultané du témoin expert et satisfera aux exigences de la règle 26.1. La liaison vidéo permettra sans difficulté, nous le pensons, à la Cour et aux parties de poser les questions qu'elles souhaitent et de recevoir la déposition de l'expert de manière simultanée. Comme mon collègue l'a fait remarquer, ceci n'est pas une pratique étrangère au sein des tribunaux ad hoc, lesquels ont des obligations similaires quant à la simultanéité des interrogatoires de témoins. Nous admettons qu'il y a 20 ans, l'organisation d'une vidéoconférence pouvait poser certains défis techniques et logistiques, mais ces défis aujourd'hui ont diminué en importance au fil des années et on est maintenant à l'heure des technologies de l'information. Donc l'organisation de ce type de liaison vidéo s'est banalisée, a gagné en qualité de son et en résolution d'image. La défense de Yingsari prétend que ce type de déposition par liaison vidéo serait irréalisable et ferait perdre du temps d'audience. C'est le paragraphe 30 de leur réponse à notre avis. La Chambre voudra peut-être consulter le service audiovisuel, mais il nous semble qu'établir une liaison vidéo avec une grande ville des États-Unis, comme New Haven, permettra un accès facile aux bandes passantes nécessaires et présentera dès lors des difficultés techniques moindres qu'une liaison vidéo avec une région rurale du Cambodge, comme Pai Linh, comme c'était le cas concernant la déposition de Long Nori. Nous avons vu dans le dossier 1 que les liaisons vidéo, tant avec la France que les États-Unis, étaient de bonne qualité et ont permis sans difficulté d'entendre des experts et parties civiles en temps réel. Le point suivant est le fait que l'utilisation de cette technologie ne viole pas du tout les droits des co-accusés, en particulier celui de Yingsari. La règle 26.1 prohibe l'usage d'une liaison vidéo si celle-ci est gravement préjudiciable à ou incompatible avec les droits de la défense. Il nous semble que le seul droit qui pourrait éventuellement être susceptible d'être affecté par cette disposition est celui qu'a tout accusé d'être confronté à un expert ou à un témoin et de les interroger ou les contre-interroger. Au sein des CETC, ce droit est garanti par l'article 13 de l'accord entre les Nations Unies et le gouvernement royal cambodgien et par le nouvel article 35 de la loi des CETC. La défense de Yingsari fait valoir au paragraphe 25 de sa réponse qu'autoriser l'expert à témoigner par le biais d'une liaison vidéo serait préjudiciable au droit de leur client à être confronté à l'expert Ben Kiernan. Et sur la base d'une décision rendue en 1992 aux États-Unis, ils affirment que, je cite, la liaison vidéo ne saurait tout simplement remplacer l'audition d'un témoin en personne. Une déposition par liaison vidéo ne permet pas à la Chambre ou aux parties d'observer et d'apprécier l'apparence, l'attitude, le comportement et la contenance du témoin comme le permettrait une déposition en personne dans le prétoire. Fin de citation. À ce propos, j'ai plusieurs remarques à faire. D'abord, la décision citée par la défense, en tout cas
celle qui a inspiré cette citation que je viens de lire est celle d'une juridiction nationale dans un contexte très particulier, celui des États-Unis. Deuxièmement, la décision date de 1992 et la technologie de la vidéoconférence n'était sans doute que balbutiante à l'époque. Aujourd'hui, tout cela s'est amélioré et grâce à l'amélioration du son et de l'image, on peut s'attendre à voir dans une pièce l'entièreté de la pièce où l'expert pourra témoigner. On pourra voir ses expressions faciales, gestuelles, et l'expert lui-même pourra voir de la même façon la salle d'audience et ses interlocuteurs dans de bonnes conditions. On pourra voir si l'expert consulte des notes, auquel cas il pourra être demandé qu'elles soient communiquées. Troisième point. Bien que le droit américain paraisse en faveur de la confrontation des témoins en présence physique de l'accusé, nous considérons que ce n'est certainement pas la position adoptée par cette Chambre, ni celle qu'imposeraient les règles de procédure de droit international. Vous vous souvenez sûrement, cette Chambre a autorisé l'usage de la vidéoconférence à plusieurs reprises dans le dossier 1, et notamment pour l'audition de témoins en France et aux États-Unis, plutôt d'experts, les experts Richard Goldstone et Stéphane Hessel, ainsi que la partie civile ou Savarit. Ce faisant, la Chambre a tenu compte, à ce moment-là, de façon pragmatique, des obligations professionnelles et de la disponibilité de toutes ces personnes. Les liaisons vidéo ont été bonnes dans le dossier 1, n'ont pas retardé la procédure à ce que je me souvienne. Et dans ce même dossier, la Chambre avait rejeté une requête de la Défense aux fins de se rendre aux États-Unis et en France et se trouver ainsi auprès des témoins qui comparaissaient par vidéoconférence. On peut trouver cette décision à la transcription du 29 juin 2009 à la page 7 en anglais. En français, IRN 0034-57-76 et en Khmer 0034-78-35-36. Et nous l'avons dit, dans le courant de ces audiences, nous avons déjà entendu un témoin, Long Norin, par vidéoconférence. La liaison n'était pas parfaite, mais nous pensons, contrairement à ce que dit la défense de Yung Sari, c'était surtout l'état de santé du témoin, voire une certaine réticence à témoigner, qui ont pu ralentir l'audience si cela était le cas. Dans le cas d'une vidéoconférence, ce n'est pas en réalité le préjudice dont il s'agit, mais plutôt de relatif inconfort pour les parties et pour l'expert, tout au plus un léger inconvénient pour l'ensemble des personnes participant au procès. Et à ce niveau-là, la défense, comme les autres parties, se trouve sur un pied d'égalité. Un examen rapide de la jurisprudence du TPIY et de la Cour européenne des droits de l'homme confirme que l'utilisation de la technologie de liaison vidéo pour l'audition d'un témoin est une procédure tout à fait légale qui ne viole pas les droits de l'accusé. Les chambres de première instance du TPIY appelé à se prononcer sur la possibilité de témoigner via vidéoconférence au regard du respect des droits de la défense, ont toujours dit, et je cite, une vidéoconférence n'est qu'une extension de la chambre de première instance au lieu où se trouve le témoin. Donc, ce moyen ne prive pas l'accusé du droit de confronter le témoin. Et il ne perd rien de substantiel du fait de l'absence physique de celui-ci. En fin de compte, on ne saurait soutenir que les dépositions par vidéoconférence lèsent le droit de l'accusé de confronter le témoin. L'article 21.4e n'est enfreint d'aucune manière. Fin de citation, il s'agit d'une décision dans l'affaire Delalich, IT-96-21 du 28 mai 1998 au paragraphe 15.
Et un autre passage dans une autre affaire, là, je cite la vidéoconférence, est conforme au droit de l'accusé de contre-interroger et de confronter directement les témoins à charge tout en observant leur réaction et de permettre à la Chambre d'évaluer la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la même manière que pour un témoin dans la salle d'audience. Décision procureur contre Gotovina, dossier IT-06-90-T du 26 février 2009, paragraphe 18. La défense ne peut feindre d'ignorer cette jurisprudence du tribunal de l'ex-Yougoslavie. Mais vous constaterez que dans toutes ces décisions, il s'agissait de témoins de l'accusation autorisés à être entendus par liaison vidéo. Il ne s'agissait pas d'experts. Il y a une différence, je pense, entre témoins et experts. Et ici, on est dans un autre contexte. Il ne s'agit pas d'un expert des coprocureurs, comme je l'ai déjà dit, mais d'un expert de la Chambre. De ce fait, l'argument de la défense de Yeng Sary selon lequel la déposition par vidéoconférence porterait atteinte au droit de l'accusé d'interroger ou de confronter l'expert est dépourvu de toute base juridique. Il n'y a pas de préjudice, encore moins de préjudice grave ou d'incohérence que la défense devrait établir, tel que l'exige la règle 26.1 du règlement d'ordre intérieur des chambres extraordinaires, tout cela pour exclure le recours à la vidéoconférence. La Cour européenne des droits de l'homme a adopté un raisonnement similaire concernant les violations présumées du droit d'interroger les témoins, un droit garanti par l'article 6.3d de la Convention européenne des droits de l'homme. Et je cite, bien que la Cour a jugé qu'en principe, les éléments de preuve doivent être produits en présence de l'accusé, le droit d'interroger un témoin n'a pas pour autant été interprété comme garantissant à l'accusé d'être dans la même pièce que celui-ci. En vertu de la Convention, l'important est que l'accusé jouisse d'une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d'en interroger les auteurs. La Cour a expressément reconnu que le témoignage via vidéoconférence n'est pas, en tant que tel, incompatible avec l'article 6. Dire que la comparution via vidéoconférence violerait de quelque façon que ce soit le droit de l'accusé d'interroger ce témoin, ou encore, comme le dit la défense, son droit à être présent à son procès, nous paraît constituer une interprétation erronée de la loi. Tous les accusés et leurs conseils ont la possibilité adéquate et suffisante de contester la déposition et d'interroger l'expert Ben Kiernan conformément à leur droit. La technologie de la vidéoconférence permet, en quelque sorte, même si l'expert n'est pas dans la même pièce, ce qu'on pourrait appeler une confrontation face à face, même s'il y a des caméras, mais la qualité des images le permet. Dernière préoccupation soulevée par la défense de Yeng Sary dans leur requête au paragraphe 29. Le témoignage par vidéoconférence depuis un état tiers dépasserait la compétence territoriale de la Chambre. Comme nous l'avons souligné, les témoignages par vidéoconférence ont été réalisés depuis les États-Unis et la France dans l'affaire 1. Il nous semble que Wessou, dans ce cas, demande habituellement et systématiquement aux États qui sont concernés, si des requêtes relatives à l'assistance juridique sont nécessaires, c'est son rôle, elle le joue.
Comme dans le dossier 1, nous n'anticipons pas de difficultés particulières de la part des autorités étatiques américaines. Et nous faisons aussi confiance en la capacité de WSU et de la Chambre de s'assurer de ce point de vue que l'organisation d'une vidéoconférence aux États-Unis sera organisée selon des modalités acceptables, transparentes pour toutes les parties, en ce compris la prestation de serment et le lieu où aura lieu, le lieu où se tiendra la vidéoconférence. Étant donné le manque de disponibilité du professeur Ben Kiernan de se déplacer pour témoigner en personne dans un laps de temps raisonnable, mais par contre de sa disponibilité à témoigner par vidéoconférence, le droit applicable permet à la Chambre, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, si elle estime que les justifications présentées par l'expert sont suffisantes, de recourir à ce moyen de vidéoconférence. Comme le temps presse, nous demandons à la Chambre, si elle souhaite entendre cet expert dès le début du mois d'avril, qu'une décision soit rendue rapidement afin de permettre aux parties et à l'expert de se préparer et de s'organiser en conséquence. La Chambre pourrait ainsi, comme nous l'avons suggéré, demander aux parties de produire la liste des sujets sur lesquels elle compte interroger l'expert et communiquer ces sujets à l'expert, et aussi que toutes les parties puissent communiquer, même à titre provisoire, au moins une liste de documents essentiels qu'elles entendent discuter lors de la déposition de l'expert. Surtout que cet expert a tellement écrit que je pense que sa préparation serait plus efficace qu'il sache quels seraient les thèmes et les écrits sur lesquels il pourra être interrogé. Enfin, dernière chose, nous souhaiterions également que dans la décision de la Chambre soit précisé si et à partir de quand le bureau des coprocureurs est déchargé de la mission qui lui a été confiée de contacter l'expert. En quelques instants, je voudrais maintenant m'attarder sur notre réponse à la demande de la partie adverse concernant les documents à produire par l'expert. Nous pensons avoir été complets dans notre mémorandum E-172-3 du 27 février 2012 concernant cette réponse. La défense a demandé la communication par le professeur Ben Kiernan d'un certain nombre de documents. En réalité, il a demandé un très grand nombre de documents avant qu'il les communique avant sa déposition. Parmi ces documents, 10 publications, ainsi que, selon la défense, tout document rédigé par le professeur Kiernan qui concernerait le dossier numéro 2 et qui n'aurait pas encore été transmis, y compris toutes ces notes manuscrites et tous ces enregistrements. En tout état de cause, nous demandons que cette demande soit rejetée parce qu'elle n'est pas suffisamment motivée, parce qu'elle nous paraît vraiment excessive, vague, parce que la défense a manqué de diligence et parce que la jurisprudence internationale n'appuie pas une telle demande. La défense n'explique pas pourquoi les documents visés sont pertinents. Pourquoi ils seraient indispensables à la défense de leurs clients, ni pourquoi, 20 ou 30 ans après que l'expert ait écrit plusieurs livres sur les Khmers rouges, cette même défense serait en droit d'exiger ces documents ou ces notes manuscrites. La jurisprudence des tribunaux ad hoc est contraire à ce type de demande. Ici, précisons bien qu'il ne s'agit pas d'un expert chargé par votre chambre de conduire une étude concernant l'accusé ou les faits et de produire par voie de conséquence un rapport à la chambre au terme de cette mission. Mais dans le cas de Ben Kiernan,
c'est tout à fait autre chose. S'il s'agissait d'un expert mandaté par la Chambre, peut-être que la défense serait-elle fondée à voir les documents sur lesquels un tel rapport serait établi. La jurisprudence même sur ce point est nuancée. Mais ici, le professeur Ben Kiernan, c'est une personne reconnue comme témoin expert parce qu'il a déjà écrit des dizaines de livres, d'articles ou de publications sur le Cambodge. Il n'est pas chargé par la Chambre d'écrire un nouveau rapport. Il n'existe pas, à notre avis, de décision de jurisprudence qui exigerait d'une telle personne de produire l'ensemble des documents, l'ensemble de notes manuscrites ou de tous les enregistrements concernant ses publications et travaux universitaires menés bien avant la citation à comparaître. Qui plus est, cela poserait évidemment un problème matériel, logistique, parce qu'on ne sait pas évidemment si l'expert a conservé toutes ses archives et est en état de les rassembler et de les communiquer à la Chambre. Alors cette demande est beaucoup trop tardive, parce que la Défense sait depuis octobre 2011, au moins, selon le mémorandum E131-1, que la Chambre a l'intention d'entendre cet expert. Et maintenant, la Défense semble exiger de l'aide de la Chambre et de l'expert le plus rapidement possible, selon ses termes, et aussi qu'on lui réponde sans trop tarder. La demande a été formulée peu de temps avant que l'expert, on le pense, pourra témoigner. Exiger l'ensemble des archives de Ben Kiernan, qui a travaillé sur cette question depuis 40 ans, nous paraît non justifié et disproportionné, et même curieux de la part de la Défense qui, toute cette semaine-ci, nous a dit sans arrêt qu'il y avait trop de documents dans le dossier. À part les 10 publications précises qui sont mentionnées par la Défense et dont la pertinence elle-même est discutable, la Défense ne précise pas non plus dans sa demande quels seraient les sujets du dossier 2 qui l'intéresserait dans les archives de Ben Kiernan pour qu'au moins celui-ci puisse avoir une idée de ce qu'il devrait chercher. Alors la demande de la Défense doit manifestement être rejetée. Elle est mal fondée. La Défense voudrait que la Chambre et l'expert qui doit comparaître accomplissent un travail qu'elle aurait dû faire elle-même il y a déjà des mois. Et cela ne nous paraît pas acceptable. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, pour votre attention. Et je pense maintenant que les parties civiles pourront intervenir. បាទអរគុណអាចារ្យបន្តសូមផ្ដល់វេទិកាទៅសហមីពិតនមុកឥឡូវនឹងខាងសហពិញ្ញាបានគួបនៅបញ្ហាទាំងពីរហើយដូច្នេះថាមីពិតនមុកគឺក៏បីធ្វើដូចគ្នាតែម្ដងដើម្បីឲ្យបញ្ហានេះឆាប់ចប់ Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous. Je ne vais faire que quelques observations rapides, je pense, et dans un temps plus court que celui qui m'était imparti sur ces deux questions, l'une après l'autre. Et à propos de cet expert qui, comme l'a indiqué M. le coprocureur, n'est pas un expert de l'accusation, mais est un expert de la Chambre, puisque nous ne sommes pas dans un système accusatoire. Et ma première observation est une observation peut-être de vocabulaire par rapport à la règle 26.1 du règlement intérieur des CETC. Cette règle ne dit pas que la déposition d'un témoin ou d'un expert à l'audience doit être effectuée dans tous les cas en personne et que s'il est impossible de le faire ainsi, éventuellement la Chambre peut autoriser une vidéoconférence. Dans la version française, c'est ainsi, et dans la version anglaise, c'est ainsi. La règle 26.1 dit ceci, elle dit, la déposition d'un témoin ou d'un expert à l'audience est effectuée autant que cela est possible en personne. Et je crois que cette façon de rédiger une règle de droit qui, comme toutes les règles de droit, est toujours rédigée
avec beaucoup de précision est une façon de dire qu'il n'y a pas un degré d'exigence élevé quant aux causes d'impossibilité d'entendre la personne directement à l'audience qui sont posées par cette règle. Je crois que cette règle, au contraire, donne une assez grande latitude à la Chambre d'apprécier ce que seraient les situations il n'est pas autant que possible, possible d'entendre plutôt l'expert directement à l'audience en personne. Ma deuxième observation est que il me semble qu'il est nécessaire de faire, quant à l'audition de ces personnes, une distinction entre un expert et un témoin. Un expert n'est pas un témoin, c'est un théoricien professionnel de l'examen de certains sujets tout à fait particuliers. Sa profession de chercheur lui impose d'abord une distance nécessaire par rapport au sujet qu'il traite, et aussi une capacité d'analyse. Ce sont deux choses qui sont tout à fait compatibles avec un interrogatoire par vidéoconférence. Et ce sont deux choses qui ne sont pas exigées, bien sûr, d'un témoin. Un témoin est beaucoup plus impliqué, par définition, dans les faits. La présence d'un témoin est peut-être plus importante dans la salle parce qu'il y a, dans son interrogatoire, une dimension factuelle et émotionnelle qu'il n'y a pas dans l'interrogatoire d'un expert. Mon observation suivante est que, il me semble, après avoir parcouru les documents, les mémoires produits par la défense de Yansari, je ne les ai que parcourus, et notamment je n'ai pas, c'est vrai, analysé profondément les 59 jurisprudences, mais il me semble qu'il y ait toujours question de témoin et non pas d'expert. Et j'insiste sur cette différence qui me paraît nécessaire dans l'appréciation que la Chambre fera de la règle 26. Je voudrais dire ensuite que cette différence entre témoin et expert, elle doit également être présente dans l'esprit des magistrats lorsqu'ils apprécieront les raisons de l'impossibilité de se présenter. Je crois que ces raisons d'impossibilité ne s'analyse pas encore une fois de la même façon pour un témoin et pour un expert. Je l'ai dit, la règle 26.1 ne fixe aucun degré d'exigence sur ces causes d'impossibilité. L'expert Ben Kiernan a indiqué, fait savoir les raisons qui rendaient impossible sa présence sur le territoire cambodgien, et je crois que ces raisons qui sont d'ordre professionnel peuvent être considérées comme des raisons sérieuses. En tout cas, je ne vois pas ce qui empêcherait de les considérer comme des raisons sérieuses. En ce qui concerne ensuite la condition posée par l'article, par la règle 26.1 et le fait que la vidéoconférence ne sera pas possible si elle porte une atteinte grave au droit de la défense ou si elle est incompatible avec ses droits de la défense. Il me semble qu'il appartient à la défense d'apporter la preuve qu'il y aurait soit cette atteinte grave, soit cette incompatibilité. La vidéoconférence permet une présence et une immédiateté de la personne pendant son interrogatoire et elle permet évidemment une confrontation avec cette personne. C'est à la défense de prouver que malgré cela, il y aurait cette atteinte grave, je ne crois pas l'avoir lu dans les mémoires de la défense de Yansari sur ce sujet. J'ajoute d'ailleurs que, en ce qui concerne les témoins, M. Long Norin, il n'y a pas eu d'argument
soulevée à propos de cette atteinte grave et de cette incompatibilité. Quant à l'opportunité d'entendre M. Ben Kiernan, je rejoins les observations de M. le procureur. Je crois qu'il est très important de l'entendre par vidéoconférence ou directement, quoi qu'il en soit. M. Ben Kiernan est un des tout premiers chercheurs qui est venu sur le territoire cambodgien et qui s'est penché sur le régime du Kampuchea démocratique. C'est un spécialiste qui, à travers de nombreux travaux sur de nombreuses années, a analysé ce régime du Kampuchea démocratique, tout en effectuant des travaux tout à fait spécifiques sur certains groupes de population. Et à travers ses études de certains groupes de population, il s'est penché plus généralement sur ce qui nous occupe aujourd'hui dans le procès 002-01. La défense a d'ailleurs à plusieurs reprises insisté sur la nécessité de procéder à l'interrogatoire de M. Ben Kiernan. M. Ben Kiernan n'est évidemment pas remplaçable par un autre expert et il doit bien sûr être entendu. Enfin, quant aux documents qui sont demandés par la défense de Yang Sari et qui devraient être apportés en complément des ouvrages de M. Ben Kiernan, je voudrais d'abord faire une observation peut-être de bon sens. Je ne crois pas que la Chambre pourra contraindre M. Ben Kiernan à produire des notes manuscrites ni décider que son audition ne se ferait que s'il produit de tels documents. Donc je me demande un peu quel peut être l'impact de la demande de Yang Sari compte tenu de cette situation. Je voudrais aussi en terminer en faisant cette simple remarque. Je suis moi aussi un peu surprise que la défense de Yang Sari aujourd'hui vous demande M. Ben Kiernan apporte toutes sortes d'éléments, y compris ses notes manuscrites d'il y a 40 ans ou 30 ans ou 20 ans, et que d'un autre côté, la défense ou une partie de la défense et il y a deux jours contesté parmi nos 10 documents deux ouvrages parfaitement achevés, parfaitement référencés, de ce même M. Ben Kiernan. D'un côté, on ne veut pas des ouvrages achevés de cet expert, mais de l'autre, on voudrait ses notes manuscrites d'il y a 40 ans. Je crois que la demande est manifestement injustifiée et, comme M. le procureur, je vous demanderai de rejeter ces demandes. សំណុំពោទាំងអស់នេះបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសំណុំនឹងតម្រាក់ដែរហើយអង្គជំរះប្រកាសតម្រាក់20នាទីចាប់ពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 ក្បាល 20នាទីចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ភារការ